Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de notre série sur l'automatisation de services sur une machine virtuelle de type VPS avec Ansible. J'espère que vous allez bien après cette pause. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo en VOD, vous n'aurez peut-être pas la pause d'une semaine qu'il y a eu depuis la dernière, le dernier live. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, où est-ce qu'on en était resté? Eh bien, on en était resté à donc, alors, je vais peut-être déjà rappeler l'objectif. Donc, l'objectif initial, c'est de mettre en place de façon automatisée plusieurs services sur un serveur virtuel de type VPS, donc un genre de un genre de serveur virtuel où forcément on est peut-être un peu limité où le seul moyen finalement quelque part de faire de la segmentation de services, eh bien c'est tout simplement d'utiliser des conteneurs. Et l'idée donc c'est d'avoir plusieurs services. Ça peut être plusieurs sites web, ça peut être aussi d'autres services que du web. L'idée ce serait pourquoi pas d'avoir d'un côté des sites web statiques ou dynamiques et à côté d'avoir d'autres services comme par exemple un VPN. Avec pourquoi pas en plus de ce VPN un conteneur de type Pi-hole pour pouvoir profiter de ce VPN pour avoir quelques fonctions supplémentaires. Voilà, donc il s'agit vraiment d'essayer de, quelque part, tirer parti au maximum des quelques ressources qui peuvent être fournies par un VPS d'entrée de gamme, voire d'une offre gratuite, tout simplement. Alors, avant de démarrer, je vais laisser un peu le temps à quelques personnes d'arriver. Je voudrais en profiter pour vous remercier toutes et tous de votre soutien, puisque nous sommes, j'ai envie de dire, plus de 865. Vous êtes 865 followers sur cette chaîne. C'est franchement inespéré, donc j'en profite pour vous remercier de votre soutien. Rien que le follow est une marque de soutien qui me va droit au cœur. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux abonnés de la chaîne YouTube qui est associée à cette chaîne Twitch. Et concernant YouTube, eh bien, ma foi, vous êtes par contre 579, ce qui est déjà énorme. Je suis toujours impressionné, même si je me doute, c'est une petite chaîne, on va pas se mentir, mais ça reste fantastique. D'ailleurs, ça me fait penser que je vois de temps en temps des commentaires sur la chaîne YouTube. J'essaye d'y répondre rapidement. C'est pas toujours évident, mais toujours est-il que je vois des commentaires. Ça me fait toujours super plaisir de voir des commentaires et j'espère pouvoir répondre à tous les commentaires intéressants assez rapidement pour que vous puissiez en profiter. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vais vous la mettre dans le chat, comme ça ce sera. Et puis de toute façon, si jamais vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, vous pouvez aussi aller sur twitch.tv/ahp_nils. Je me rappelais plus si j'avais mis le underscore ou pas. Et bien entendu, hop, la chaîne YouTube. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons pouvoir, revenir dans le vif du sujet, c'est-à-dire notre VPS et les quelques conteneurs
que nous allons essayer de mettre en place. Alors, pour cela, je vais repasser tout de suite sur cette vue et je vais m'assurer tout d'abord que j'ai bien ma machine virtuelle. Ma machine virtuelle, enfin, ici elle s'appelle Node 0, mais on va essayer de s'y connecter ici. D'ailleurs, quel était le nom que je lui avais mis? Alors, et je lui avais mis VPS0, parce que je ne suis pas très consistant sur le nommage. Donc, puis là on peut voir qu'elle s'appelle Node 0. Alors, je l'avais mis VPS0 au niveau de la config SSH. Sans doute justement pour me rappeler que c'était dans l'idée d'avoir une automatisation de VPS, tout simplement. Alors, une fois que nous avons notre VPS qui est démarré, la première question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que nous avons toujours systemctl grep container. Voilà, donc j'ai un container reverse proxy qui est chargé, actif, running, et un container nginx site 1 qui lui est aussi en état de fonctionnement. Nous sommes sur une IP en 10.13.37.149. Ok. Ce qui veut dire que si je viens ici et que je vous montre ça, et que je fais un HTTP 2.// donc là je n'ai rien parce que j'avais, alors on va retourner dans le répertoire de mes trucs Ansible, qu'il faudrait quand même que je vous partage sur GitHub à l'occasion. Alors, on va aller prendre un task, juste le main.yaml. Qu'est-ce qu'on avait mis comme... Voilà. Donc on avait redirigé le port 8080. Ah non, ça c'est le site 1. Et le reverse proxy était lui en port 8080. Ok. Donc là, si je viens avec je fais 8080, normalement... Alors, on va le mettre en HTTP quand même, parce que pour l'instant, on n'a pas d'HTTPS. Et il y a écrit Youpi. OK. Et ensuite, si je viens sur le port 8081, j'ai le site 1, donc, qui me permet de, déterminer, enfin, de pouvoir différencier ce que je vais vouloir mettre comme étant un reverse proxy et un site web classique. Alors, les deux sont Nginx. Pourquoi je m'embête à avoir de fait deux conteneurs Nginx? Donc il y en a un qui va faire reverse proxy et ce sera sur celui-ci que je pourrais mettre par exemple de la terminaison SSL ou du Web Application Firewall. On verra en temps et en heure, mais dans l'immédiat c'est que ça va me permettre pourquoi pas d'avoir d'autres applications, d'autres conteneurs avec d'autres applications. Ça pourrait être des serveurs applicatifs en direct ou alors pourquoi pas d'autres serveurs web avec du contenu statique ou dynamique. Alors, là où j'en étais resté la dernière fois, c'était, je crois que je voulais essayer de faire justement communiquer le reverse proxy et le site 1 pour pouvoir ensuite me débarrasser de cette configuration de port et de pouvoir dire, eh ben, pour passer sur le site 1, eh bien, il faut passer par le reverse proxy. Et à ce moment-là, on rajoutera une configuration de reverse proxy. Podman networking, j'ai envie de dire. On va aller chercher ça. Podman network. Eh ben, ça m'a pas mal. Ah oui, alors petit détail, si jamais vous prenez si vous prenez le train en route, au niveau conteneur, au niveau technologie de conteneur, j'ai fait le choix d'utiliser Podman. Pourquoi Podman et pas Docker? En fait, c'est que je suis assez souvent utilisateur, en tout cas
Personnellement, sous Linux, j'ai tendance à utiliser des distribs plutôt type Red Hat, donc Fedora, CentOS ou RHEL ou autre. Et Podman est la solution qui semble la mieux intégrée, qui est disponible directement dans les dépôts officiels. Il n'y a pas de truc à rajouter comme Docker par exemple. Toujours est-il que j'ose espérer qu'avec quelques modifications, ça doit pouvoir se. Mes automatisations doivent pouvoir se faire avec Docker. L'idée c'est que de toute façon, si jamais vous prenez une autre distribution pour reproduire ce que je fais, que vous utilisez par exemple, je sais pas moi, Ubuntu, Debian, normalement ces distributions-là fournissent aussi Podman en plus de Docker. Please see the network tutorial. Oh, alors si un tutoriel, ça va être encore plus tranquille. Enfin, je l'espère. Les gens qui. Ça y est, maintenant que j'ai dit que ça va être tranquille, je vais avoir des ennuis. Alors, basic. Tiens, je vais même d'ailleurs vous poster ça dans le chat. Et je vais d'ailleurs en profiter pour aller tout de suite l'ajouter dans les liens du live sur le serveur Discord de la chaîne. Serveur Discord que vous pouvez retrouver par ici. Hop, par là. Avec tout le reste des réseaux sociaux. J'en étais où moi ? Oui, je cherchais mon Firefox. Voilà. Alors, Firewall, Basic Network. Ok. Alors, j'avoue, le truc là en. Il n'y a pas moyen de le voir. Copier le lien de l'image. Ok. Container host, external client, DB container, web container, virtual. Ah, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est exactement ça qu'on veut faire. Alors. C'est pas forcément ça qui va m'intéresser. Salut à toi, Dino. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors. Use the NetAvark pour les photos. If you have not migrated from Podman V3, ok. Dans ce cas, pas besoin de passer un nom de réseau à Podman. Cependant, on peut créer. Ah mince. Ah, moi j'ai déjà donné la grippe, c'était durant les fêtes de fin d'année. Je compatis. On va espérer que c'est juste un début de rhume. On va espérer que c'est juste un rhume et que ça passe très vite pour toi. Alors, a priori, alors il nous dit quoi ? Name, ok. Ah, il faut rajouter --net. Ok. Alors, on avait. Si je reprends. Alors ça c'est comique. Vous voulez une blague qu'elle est drôle ? Mon émulateur de terminal a planté. Et non seulement il a planté, mais j'ai pas eu de message. Paf, que dalle. Ça c'est la meilleure. Je me demande si ça m'était pas déjà arrivé en plus. Alors, t'es passé où, Tilex ? Hop. T'es là. Ok. Voilà, hop. Alors, on va revenir ici. SSH VPS0. On va se mettre un TMUX tout de suite. On va aller ici.
Alors. Et donc, on utilise containers.podman.container. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que on n'avait pas déjà le lien qui allait bien sur ça? Si. Hop. Allez, je vais vous le remettre dans le chat, d'ailleurs. Alors, je vais peut-être d'abord l'ouvrir pour vérifier que c'est bien ça. Oui. Hop. Et je vous le mets là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des informations sur le network ou s'il n'y en a pas? Il y a un HTTP Pro. Ah oui, ça c'est pas mal. Il y a un IP. Ok. Memory, name. Ah, network. Ok. Set the network mode for the container. Bridge, ok. None. Reuse another container to the stack. Ah, container name.id. Ok. Host, use the podman host network stack. Network name, network ID. Connect to user, define network. Et NS pass to a network namespace to join. Ok, donc a priori. Il faut que je mette network dans mon Ah, j'avais essayé de faire ça avec des pods. J'avais essayé de les mettre dans le même pod. Bon, je vais mettre ça en commentaire, de toute façon. Je pense que cette histoire de pod, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, et network, ce que je vais faire, je vais l'appeler, on va faire ça plutôt, et on va dire, comment on va l'appeler ce network? Allez, je vais l'appeler HTTP front, tiens, HTTP underscore front, voilà. Pourquoi je fais une liste avec un seul élément? C'est parce que je m'attends à pourquoi pas en mettre plusieurs à ce niveau-là. Donc j'ai dit que le pod, je m'en fichais. Voilà. Et que. Bonjour, t'es Roger Gagat et bienvenue sur. Bienvenue sur la chaîne. Et donc je disais network. Et celui-là, normalement. Être tranquille et donc je vais juste l'appeler HTTP front aussi. Quoi que remarque, je vais peut-être en faire autant. Hop, allez. HTTP underscore front. Ok. Parce que je n'ai pas de mémoire, donc j'utilise mon historique et on va se faire un petit check déjà. Bon, normalement Podman est déjà installé. Hey, salut Fixoulab, bonsoir à toi, bienvenue. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. T'es Roge aussi d'ailleurs. Donc là, pour le moment, on a démarré tranquillement. On a démarré tranquillement. On a juste fait une petite modif. On lance notre premier run de Playbook Ansible, là. Gentiment. On va vouloir essayer de faire communiquer ensemble deux conteneurs sur une même machine. On va espérer qu'on les mette dans le même réseau. Dans un même réseau virtuel. Et que ça fonctionne. Pour qu'ensuite l'un des deux conteneurs soit le reverse proxy de l'autre.
Déploiement en prod sur de l'OpenShift pour ma part. Oh punaise, j'y suis pas moi. Hein. Alors je t'avoue que ces derniers temps, j'apprends Kubernetes de mon côté. Enfin, apprendre, c'est vite dit. Mais j'essaye. Alors, donc il m'a fait un petit changement. Mais bizarrement, il m'a pas relancé les reverse proxy. Enfin, il m'a pas relancé les conteneurs, il m'a fait juste un OK. Ouais. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Bah tiens, d'ailleurs, OpenShift, ce serait pas l'implémentation Red Hat de K8S? Si je dis pas de bêtises. Non, j'apprends pas avec Zafki. Pour l'instant, je dirais que j'y vais en méthode l'arrache. Yep, exact, ok. Je devrais peut-être essayer. Alors, qu'est-ce que je voulais... qu'est-ce que j'avais dans mes... qu'est-ce que j'avais dans mes trucs? Ah bah oui, tiens. Si je fais un podman... images, normalement, je dois avoir... Podman PS, voilà. Et il y a OKD qui est l'open source d'OpenShift. Ok, ok. Donc, j'ai a priori... Alors, la question, c'est est-ce que mes deux conteneurs sont toujours up et je sais plus où est-ce que j'avais mis. Est-ce que j'étais dans les... Tailors... Reverse proxy, si j'avais fait des trucs déjà. Log. C'est bien ça. 4 access.log. Distress 37.1. Il est 20h30. Ouais, 19h30. C'est bon. Ça, c'est bon. Bon, la favicon est en 404, mais ça, c'est normal. Tiens, ça, c'est chelou par contre. Ah non, ça, je sais ce que c'est. C'est tout à l'heure quand j'ai voulu. Quand j'ai laissé le truc en HTTPS. Donc, ça, c'est une tentative de trafic chiffré sur un truc qui est pas en SSL. Forcément, ça renvoie des trucs bizarres. Pareil, 19h30. Parfait. De fait... Est-ce que on va pas pouvoir maintenant essayer de rentrer dans le alors Podman PS. Si je fais exec. Hey, salut The Vengeur. Ah bah écoute, c'est très gentil de passer même en coup de vent et. Et en plus, ça me fait super plaisir. Alors, merci The Vengeur. Merci beaucoup à toi de refaire un sub. Quatrième mois. Et pourtant, tu ne passes qu'en coup de vent. C'est franchement... Je suis toujours aussi touché des gens qui se subent à la chaîne. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai récemment eu le paiement de Twitch. Donc il va falloir que je vais pouvoir déclencher l'achat des nouveaux ventirades pour le Home Lab que j'ai réussi à faire revivre, je sais plus si je vous l'avais dit. Bref, tu vois, ton soutien, The Vengeur, va permettre de faire l'upgrade du Home Lab. Donc merci, merci beaucoup. Non, 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 non. Alors là, la Twitch Money, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et pour répondre à la question de Teroge, ils sont dans un volume, les fichiers de log? Oui. Tout à fait. Si je mets... Voilà. Donc là, dans mon playbook Ansible, j'ai un volume j'ai un volume pour le docroot et j'ai un volume pour les logs. Et ensuite,
Ici, j'ai même un volume. Alors, je ne l'ai pas forcément mis au début pour l'autre, mais ici, j'ai carrément un volume avec une conf. Ce qui veut dire que je peux jeter un œil ici. Je peux aller regarder dans le reverse proxy. CD conf.d. J'ai un default.conf. Ah tiens, j'avais mis un Nginx status. Donc on peut même vérifier. Ah tiens, 404 notre forme. Ah, underscore status. Ok, ça c'est bon. Et normalement on a un slash site 1 avec... Ah oui, on avait mis un proxy pass en 127.0.0.1 comme ça. La question que je me pose, c'est quand on fait leur truc là, si on a le même réseau, exemple. Ouais, mais non, je veux pas faire du Mac VLAN. C'est le prochain burger de la firme américaine. Le Mac VLAN. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, The Vengeur. J'aime beaucoup, c'est ultra, ultra réussi, bien joué. On est au niveau de Manon là. Alors. Par définition, tous les conteneurs dans un pod manpod partagent le même namespace réseau, ce qui veut dire qu'ils auront la même IP, même MAC, même port mappings. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux pas les mettre dans le même pod, effectivement. Using localhost. Ah. Je crois que ça, on avait commencé à le regarder la dernière fois. Ouais, mais j'ai pas encore commencé vraiment à rentrer là-dedans. J'y vais très lentement avec Kubernetes, pour être honnête. Sudo podman inspect-f. Ouais. Donc en gros, si je fais ça, que je vais ici. Alors si je fais déjà un podman ps, j'en ai un qui s'appelle reverse proxy. Donc je fais un podman inspect. Hop, et je dis reverse proxy. Ok. Et si je dis Nginx site 1. Ok. Et donc. Je fais ça et je fais un ping. Est-ce que le ping passe? C'est pas garanti. Ouais, non, ping comme en notre farm. Mais par contre, est-ce que j'ai un curl? Ouais, j'ai un curl. http://10803. Site 1. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ce qui veut dire que de fait, je vais peut-être pouvoir. Salut à toi, Nebed. Bienvenue. Alors. La question que je me pose, c'est maintenant, comment est-ce que je peux faire? Le pire, c'est que je crois que... je me demande si on n'avait pas déjà vu ça dans un stream précédent il y a longtemps. Mais en gros, là, le networksettings.ipadress, je sais pas si je peux le... Je pense pas que je puisse le coller comme ça dans une conf à Nginx. Ça m'embête un peu. Ce qui veut dire qu'en gros, là, aujourd'hui,
Si je fais un petit. On va faire un onglet. J'ai dit SRV containers reverse proxy conf.d. Ici, plutôt que de faire ça, en gros, je peux faire un 10.88.0.3. Voilà. Donc là, je redémarre le conteneur. Ah. Comment ça, ça? Ah, ça. Oui, bah oui, forcément. Forcément. D'ailleurs, du coup, je vais devoir recommencer. Est-ce que... Juste par précaution, est-ce qu'il a changé d'IP, lui? Ah, il a changé d'IP, voilà. Et lui, lui non, puisque normalement, il n'a pas changé. Voilà, il a pas changé. Mais de fait, maintenant que je l'ai... Alors, on va faire moins N1. Ah, zut. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on revient ici. Là, ça tourne toujours. Si je fais slash site 1, 404 not found. Est-ce que je me suis pas trompé dans la conf? Cat conf.d default.conf. Non, slash site 1. Salut à toi, silence des agneaux. Ah mince, le point d'exclamation hardware ne fonctionne pas. Bon, bah il va vraiment falloir que je fasse un stream de réparation de ce truc. Et quel est le projet? Alors, le projet, c'est de mettre en place C'est d'automatiser, en fait, un certain nombre de choses sur une machine de type VPS, sur un serveur privé virtuel. Alors, moi, je le fais tourner en local, mais à terme, j'espère pouvoir le faire tourner sur Internet. L'idée, c'est d'essayer justement de tirer parti de ce genre de... j'ai envie de dire de petits services qui ne coûtent pas très cher. Un VPS de base, c'est quelques euros par mois. Voire, parfois, il y a des offres gratuites qui durent un certain temps. Salut à toi, Karken. Et l'idée, c'est de mettre en place une automatisation de plusieurs services en les silotant avec des conteneurs. Donc par exemple, si j'ai envie d'héberger plusieurs sites internet, plusieurs applicatifs web qui ne fonctionnent pas forcément sur les mêmes technologies, eh bien en les, justement en les mettant dans des conteneurs séparés, j'espère pouvoir malgré tout avoir une certaine segmentation de ces services. Et pourquoi pas rajouter à terme peut-être un conteneur VPN, un conteneur Paywall, ce genre de choses-là. Donc pour l'instant, on essaye de démarrer gentiment avec juste deux conteneurs, avec un premier conteneur qui va faire reverse proxy pour un deuxième. Et une fois que ça, ce sera fait, ce qui semble déjà pas forcément une mince affaire, eh bien, on pourra essayer d'avancer au fur et à mesure. Voilà, voilou. Alors, pourtant ça passe. Oui, gros projet à terme. Je suis assez d'accord, mais je suis du genre à avoir des gros projets. Tiens, j'en profite d'ailleurs parce qu'il y a quelques first time chat dans le coin, enfin au moins deux. Je stream habituellement les jeudis et les dimanches, les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Et ce que je fais, c'est que j'alterne en fait entre deux projets. Donc le projet du jeudi, c'est pas la même chose que le projet du dimanche. Et ces derniers temps, le dimanche, le projet, c'est de la réinstallation à distance de machines physiques. Remarque, ça marche aussi pour des machines virtuelles, mais l'idée, c'est que, imaginons que, je sais pas moi, vous prenez un serveur dédié,
Il est sur une certaine distribution Linux. Votre distribution Linux favorite n'est pas supportée par le fournisseur de dédié. Avec quelques astuces, vous avez moyen de démarrer vous-même l'installeur de votre distrib préféré. Alors pour l'instant, la distrib préférée, c'est de la Fedora, dans notre cas de figure. Mais à partir du moment où votre distrib préféré a des moyens d'automatisation, d'installation, genre typiquement bah, tout ce qui est monde Red Hat, ça va être Kickstart, et tout ce qui est monde Debian, ça va être Precide, eh bien il est possible de faire quelque chose. Alors, là pour le moment, où est-ce que j'en suis? J'ai deux conteneurs qui ont l'air d'avoir des IP dans le même range. Mais la question c'est comment faire en sorte qu'on les fasse communiquer ensemble sans avoir à essayer de jouer aux devinettes avec les IP. Le bridge ça m'intéresse pas. Non, parce qu'à chaque fois, il ne... Puis en plus, on était tombé sur ce lien-là l'autre fois, je crois. À moins qu'il faille que je fasse des networks avant. Alors que les choses soient très claires d'ailleurs, hein, je ne me présente pas en tant que connaisseur ou expert en matière de conteneurs. L'idée c'est d'apprendre en même temps que vous, en tout cas pour ceux qui ne sont pas experts. Si jamais il y a des experts dans l'assistance, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dévoiler votre savoir. Podman Network LS. Ah bah tiens. Donc il y a juste un réseau qui s'appelle Podman et qui est en bridge. Tiens, c'est étonnant ça. Ça veut dire qu'il a peut-être pas forcément appliqué. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire un systemctl container. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas tout appliqué le rôle. On va couper ça. On va couper ça. Donc là, je n'ai plus de conteneur qui tourne. Voilà. Et... alors, je sais que j'avais fait le... Donc, a priori, je vais peut-être juste aller relancer, en fait. On va essayer, tiens. On va retourner. Si je tente un curl en HTTP 2.//, m'a fait 10.0.88.3. Ah, là, j'ai plus rien. Ok. Avec un peu de chance, c'est le 5. Ou pas. Est-ce que ça serait pas le 6? Non plus. Déjà, est-ce que si je reviens ici... Déjà, j'ai toujours mon Yuppie. Ça, c'est cool. Si je refais le network LS... Ah non, tiens, j'ai toujours rien. J'ai pas de... Ok. Soit. Alors qu'est-ce qu'il disait dans la page sur
Sudo Podman Network Create, ouais, ok, mais ouais, Podman Network NS. ETC, CNI. Tiens, je vais peut-être aller jeter un œil là-dedans, voir s'il y a des confs qui se sont faites. Non, j'ai juste un CNI.lock qui est vide. Ok. Donc, a priori, j'ai rien. Donc, en gros, juste dire un tin network, ça suffit pas? Ah, faut peut-être le mettre autrement en fait. Alors, set the network mode for the container. Bridge. Ah oui, donc ça, c'est le network mode. Donc, bridge, ok. No networking. Container, 2 points. Reuse. Host to use the Podman host network stack. Ou network-name. Network-id to connect to user-defined network. Donc, a priori, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait network et je lui ai donné un nom de réseau. Donc, ça va être un user-defined network. Bon, là, il vaut peut-être mieux que je fasse NS pour avoir un network namespace, peut-être. Oui, parce que le user-defined network, ça veut dire qu'il devrait être créé avant, d'une autre manière. Donc, on va peut-être faire un NS. Donc, dans ce cas-là, ici, ça veut dire qu'il faut que je fasse NS comme ça, peut-être. Et on va retenter notre chance. Ah oui, j'avais fait un check en plus, j'avais pas fait un. Ok. Donc j'étais complètement à la ramasse. J'avais rien appliqué. Ok, voilà, invalid error. Ok, bon. Alors, on va essayer de revenir sur le truc que j'avais fait avant. Alors juste HTTP front, peut-être que ça va suffire. Non, toujours pas. Il n'arrive pas à faire tourner. Unable to find network with name or ID. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, donc il fallait le créer avant. Ok. List elements égale string. Alors. Ah oui, pass to a network name. Network name, network ID. SLIRP net for NS. Ou alors je rajoute un network alias au lieu de le rajouter un network. Add network scoped alias for the container. A container will only have access to aliases on the first network. Là, dit joins. Salut à toi, Carbex. Donc en gros, si je comprends bien. To find network with name. Donc soit je le crée avant le network. Alors, je n'ai pas de compte RHEL payant et je ne sais plus si mon compte gratuit existe encore, pour être honnête. Après, ça peut se créer. Non, c'est la doc Ansible, effectivement. Attends, si je reviens ici, il dit
Sudo podman network create. Est-ce que par hasard, dans les trucs, parce que là on est dans containers.podman collections in a container namespace. Est-ce que par hasard, containers.podman podman network module. Manage Podman Networks. C'est plutôt pas mal, ça, non? Allez. Donc, on a quoi? Disable DNS, driver, default bridge, exécutable, ok. Allocate container IP from range. Ah! Exemple. Bah voilà. Allez. C'est pas mal ça. Alors, on a quoi? On a d'abord l'installation de Podman. Paf, paf, paf. Et ben on va ici, on va rajouter le réseau. Alors, pour être honnête, Carbex, j'ai pas fait assez d'Ansible pour avoir pour voir forcément énormément de différence. Je suis sur quelle version moi d'Ansible ici? De 14. Ok. Donc name, on a dit qu'on l'appelait HTTP underscore front. Alors, vraiment, le bicom, pour moi, il est censé être obligatoire. Ah, d'accord. Il faudrait que je fasse internal true. Ok. Et ensuite, IP range. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en... Alors, éviter... J'ai fait 10.13.37 là sur ce subnet où il y a la VM. On va faire 10.13.38.0. Allez. On va le laisser en slash 25. Subnet, ok. Ah d'accord, c'est l'IP range, mais le subnet et le... Ok. Oui, bah on va faire... Allez, on va le mettre dans le slash 24. On essaiera de bidouiller ça après. Et la gateway, bien entendu. 13, 37, 37, 1. Et donc, j'ose espérer que cette fois-ci, ça devrait être un peu mieux. Ça a l'air plutôt bon signe, ça. Si maintenant je vais sur mon VPS avec mon conteneur, avec mes conteneurs, et que je retente un exec dans mon reverse proxy, que je fais un IPA. Ah, j'ai pas la commande IP. Je suppose que j'ai pas la commande ifconfig non plus. Par contre, j'avais les inspect. Hop. Inspect. J'ai dit inspect. Non, j'ai pas. Ils étaient là. Voilà. Podman inspect. Donc, si je regarde mon reverse proxy, donc il doit avoir une IP en 10, 13, 38 maintenant. Non? Ah non, il a que dalle. Tiens. C'est marrant, ça. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on peut regarder si on a quelque chose et comment on va essayer de faire communiquer nos conteneurs. Ce que je peux déjà refaire, si je reviens ici dans la VM,
Si je peux faire un podman network, si je me rappelle bien, S. Et là, on voit que j'ai un... Ah, ils sont driver bridge. Faut pas associer le NetNS avec ton container. Si, peut-être. Peut-être. Mais normalement... Alors déjà, le driver bridge, ça me botte moyen. Mais ça, je suppose qu'il faut que je le change. Mais là, il dit juste driver to manage the network. Il précise pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme valeur. Mais bon, on va laisser ça comme ça, de fait. Ça voudrait dire que mon... Distress 38.1, voilà. D'accord, donc là, il y a un truc qui s'appelle Podman 1. Et il est en Distress 38.1. Alors là, sur le... tiens, d'ailleurs, hop, je vais vous mettre ça, le module Podman. Hop, et je vais le mettre aussi dans les liens du live sur le Discord. Hop. Et on va revenir ici. Name of the network. Bah oui, ça, on l'a vu. MTVLAN Recreate. Salut à toi, Dino. Bonne soirée. Merci d'être passé. C'était très gentil à toi. Common return values. Ok. Et si je reviens sur plutôt le... Merci beaucoup, c'est sympa. Si je reviens ici, dans les... Alors, tu me disais quoi, Carbex ? Faut pas associer le NetNS avec ton container. Alors, on avait normalement un truc de network. Il est où ? Il est passé où ? Image IP... Ah ! IP, c'était specify a static IP address for the container. Alors j'avoue que ça me... ça m'emballe pas des masses d'avoir à fixer comme ça des IP. Enfin, fixer, à les spécifier, à les hardcoder. Label, non... Log driver, log level, c'était pas ça qu'on voulait, c'était du network. Parce que là, on a, voilà, on a un network. Et a priori, j'avais juste mis network name. Connect to a user defined network. Donc a priori, le conteneur, il est censé, si je reprends mon, mon truc, donc là, j'ai créé mon network et ensuite quand je crée mes conteneurs, je l'ai bien mis dans le network HTTP front que j'ai créé avant. Donc a priori c'est ça. Hein. Fait un IP net NS. Alors, IP net NS. Hop. Ah bah, il n'y a pas HTTP front, il y a deux réseaux. Mais quand je fais un podman network LS, par contre, on a bien un HTTP front. Ça qui est comique, non, c'est pas sur cette truc là. Euh...
qu'ils disent sinon dans le... C'était où là? Là, ok, créer un réseau. Alors, c'est quoi ce... On va essayer de repartir depuis le début avec ça. Différence entre route full, rootless. Firewall, basic network. Non, mais je veux pas faire du Mac VLAN, moi. Bridge. Le réseau par défaut Podman avec NetAvark, il est uniquement en mémoire. Pas de résolution DNS à cause de la compatibilité ascendante avec Docker, ok? Exemple, par défaut, le conteneur rootful, donc ça, ok. Et dans ce cas, ouais, mais je crois que je suis en Podman V4, moi, déjà. C'est ça. Donc on est bien en NetAvark. Ok. Dans ce cas, no network name must be passed to Podman. However, you can create additional bridge network. Ok, donc c'est ce que j'ai fait via Ansible. L'exemple suivant montre comment mettre en place un serveur web et l'exposer au réseau en dehors de l'hôte, en route full et en rootless. Mais ça, quelque part, c'est du... Ça, on le fait déjà. On le fait déjà. J'ai déjà mon reverse proxy qui est accessible depuis ce navigateur web-là. Notez que dans la commande en haut, le port 80 du conteneur a été mappé sur le port 80-80 de l'autre. Ça, on l'a déjà fait. Donc le port 8080, nanana, ok, jusque-là tout va bien. Pour se connecter, nanana, oui, bah oui, forcément. Le Mac VLAN, c'est pour avoir une interface physique sur le host, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. Slirp for NetNS. Donc c'est le réseau par défaut pour les rootless. Alors nous on est en route full parce qu'on les démarre via systemd. Ça a été inventé pour que les utilisateurs non privilégiés puissent faire des interfaces réseau sur le host. Ça crée un tab device. Ok. Ouais. Pourquoi pas, moi ça me va. Et... L'utilisateur non privilégié peut créer deux conteneurs. L'un des inconvénients du Slurp for NetNS, c'est que les conteneurs sont complètement isolés les uns les autres.
ils peuvent utiliser des port mapping avec le host system, ou alors ils peuvent être mis dans un pod où ils share le... Bah oui, c'est ce que je voulais faire en fait, je voulais les mettre dans un pod aussi. Communication entre des conteneurs et des pods. Ok. Bon, je sais que tout à l'heure j'avais dit que finalement on n'allait pas les mettre dans le même pod, mais... L'exemple suivant va montrer deux rootless containers, ok, qui peuvent communiquer où il y a un serveur web. Ah, on est obligé d'utiliser l'adresse IP de l'hôte. On ne peut pas utiliser localhost. Ah bah ça, c'était la même chose. Ok. Et le configurer containers, redhat.com, sysadmin, container, networking. C'est celui-là. Ok. J'avais pas fait un truc là? Si. Podman Network, Podman Basic Networking. Configuring. Oula, je suis Oracle. Ça nous dit quoi? Ouais, Netavark, bon, ça on le savait finalement. Container Networking Plugins. Ah! Il nous manquerait peut-être des choses? Ah ok. Ah oui, d'où le moins F. Ok, là on est en moins format. Ok, ça c'est intéressant. Si jamais je regarde ce que ça donne de mon côté. Et que ici, là, je mets reverse proxy. Qu'est-ce que ça me donne? Il dit map HTTP front. Ouais. Il s'appelle pas site 1, l'autre? Si, il s'appelle Nginx site 1. Hop. Ok. Soit. C'est marrant, il n'a pas la même valeur ici par rapport à l'autre, mais il en HTTP front quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas ping.
Ah, il n'y a vraiment pas beaucoup de commandes. C'est vrai que vraiment que... Ok, soit. Non plus. Non plus. Ah, on peut vraiment pas faire grand-chose hein, dans les petits conteneurs comme ça. Enfin, en tout cas, de base. Ça c'est SE Linux, ok. C'était pas forcément. Ça c'est. Bon, ça de toute façon. Remarque. Hop, documentation. Podman, quick search. Commande, référence, tutorials. Ouais, mes tutorials finalement basiques. Rootless, Podman Windows, Remote Client. Common Network Setup. Comme ça, on l'a vu, non? Ouais, c'est ça. C'est quand même bizarre que j'arrive pas à trouver quelque chose qui me. Ça c'est le getting started, alors. Bon, là, il fait juste des différences sur certains sujets. Il a qu'un seul article sur Podman. Ok, bon, dommage. Ah, c'est celui-là. Ok, dommage. Et lui, Practical Explanation. Container Networking in Simple. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Just kidding, it's not. Ah, ah, l'arnaque! Prérequis. Bon, lui, il a fait ça sur une CentOS 8, ok. Oula, il commence à faire un joujou avec de l'IP table. Ça me plaît pas, ça. Il fait avec une interface Ethernet virtuelle. Bon, moi, ça m'emballe pas des masses. Interconnecting containers with virtual network switch. Bridge. Bah, finalement, c'est ce que j'ai. Ouais, donc en fait, je vais finir par faire
par mettre en place un adressage hard-codé et dire mes VM, elles ont tel. Enfin, mes VM, mes conteneurs, ils ont tel. Ils ont tel IP. Je pense que ça va se faire comme ça. Hein. Allez, on va le tenter comme ça. On veut, au moins, ça permettra d'avancer. Donc, si je reprends... Donc, on peut spécifier une adresse IP pour le conteneur. Donc, si je reviens ici... Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ici le reverse proxy, toi... string, ok, cool, hop, allez, 100, j'ai dit 10.13.38.2, et lui, ce sera 3, hop, on va espérer que tout se passe bien à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis pas fan de hardcoder les choses, mais à la limite, c'est peut-être sans doute le plus simple. Mais en fait, il a rien touché. Pourtant, j'ai pas fait un check. Donc, bah, par précaution, stop. Donc, on va lui dire de couper ça. On va lui dire de couper ça. Et on va relancer notre playbook. Alors, roulement de tambour. Il me fait que des OK, il me fait pas de change pour le moment. Ah, si, ça y est, voilà. OK. Là, je suis content. Il a changé des choses. Et il a lancé les... OK. Très bien. Maintenant, on va revenir ici. Podman... PS et c'est fait. Je crois que c'est qu'il faudrait que je remette en recreate à yes en fait dans le playbook. Mais avant de vérifier ça, non c'est un exec que je veux. Voilà. Et si je fais un curl http://, on a 10.13.38.2 qui est lui-même, ça n'a pas l'air de marcher des masses. http://10.13.38.3. Bah alors, ah, une route to host. Pourtant. Ah, c'est seulement si. D'accord. Ce adresse must be. Ah, ok, il aurait fallu. Ok, très bien. Allez, ça m'apprendra à lire. Donc ça ne fonctionne pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que je peux peut-être faire dans ce cas-là, c'est de les mettre dans le 10.88.0.0/16 et de ne pas créer un réseau supplémentaire. Donc ça veut dire que ici le front Podman Network, on va le laisser,
mais en gros ça veut dire que à ce niveau là ça, ça saute, ça, ça saute. Et lui, par contre, on peut le mettre en 10.88. 10.88. On va dire 80.1. Tiens, voilà. Et lui, on va être 80. Je sais pas moi, 254. Tiens, allez. Voilà. Et ah oui, je vais faire un recreate yes. Voilà. À partir du moment où ça c'est bon, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller coller tout de suite cette IP là dans dans ici. Voilà. Donc en théorie, si je relance mon truc. Alors bon, pour le moment, la conf, elle est posée à la main. Dans le répertoire adéquat. Mais à terme, j'aimerais bien pouvoir la générer aussi via Ansible. Ok. Ça, c'est bon. Alors juste par acquis de conscience, déjà, j'aimerais bien m'assurer que... Ok, les deux sites répondent toujours sur le port on va dire, exposé vers l'extérieur. Enfin, vers l'extérieur, façon de parler. Par contre, maintenant, si je reviens et que je fais un exec, et que je fais un curl, http://10.88.80.1, site 1. Donc, en théorie, ici, si je fais slash site 1, non, toujours pas. 404 not found. Alors, qu'est-ce que j'ai foiré dans ma conf? Qu'est-ce que j'ai foiré dans ma conf? J'ai bien mis la bonne IP. Quand je curl depuis la machine là, ça passe. J'ai un proxy pass. Je suppose que si je fais un Nginx-T ici, j'ai pas de souci, mais on va vérifier quand même. Puisque de toute façon, Nginx est lancé, donc il n'y a pas de raison. Hein. Et pourtant, je mange un 404 not found. Regardez dans les logs, hein. Qu'est-ce qui me dit l'error log? Rien. Et que me dit l'access log à part un 404. Ah. Ne serais-je gouré dans les requêtes? Parce que là, j'ai la petite, petite recherche là-haut. Non, 404. Si je fais slash index, on sait jamais, index.html. Non, non, vraiment pas. 404. What? Pourtant, pourtant, j'ai la conf est chargée, hein, parce que si je fais un nginx underscore status, donc ça, la conf, elle est chargée. Server name, ouais, ok. Pourquoi il me dit server name localhost? J'aime pas ça. Est-ce que ça jouerait pas? Je vais peut-être mettre un server name avec un underscore, tiens. Remarque, il serait pas par...
Non, a priori j'ai un. Est-ce qu'on a found? Mort peut-être. Oui, j'ai mort. Mais bon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc effectivement. Vraiment, c'est ce fichier de conf là avec le truc. Donc server name, on va lui mettre underscore. Voilà. Ça, il a pas de server name, on sait jamais. Location slash. Ok. Mais ça, on l'a customisé. Voilà, j'ai mon Yuppie. On relance notre conteneur. C'est marrant, là, je vois un distress. Ah oui, distress 3749, normal. Alors, on va revenir ici. Youpi. Slash site. Non, slash. Non, 404. Donc, ça ne change rien. C'est fou, ça. Est-ce que ce serait pas un problème de fait de configuration d'Nginx, mais. Je vais regarder. Bon, je ne sais jamais. Hein, je me suis peut-être trompé dans la manière dont faire. Je vais faire le truc bête et méchant. Nginx reverse proxy. Allez. Configurer Nginx en tant que reverse proxy. Genre, premier lien sur le moteur de recherche. Architecture réseau, configuration. Proxy pass, proxy. Ouais, bon, alors, proxy set header, send timeout, connect timeout. Je veux bien, on sait jamais, hein. On va tenter, hein. Je suis pas convaincu, mais. Ça a pas l'air d'être ça, hein. Si je reviens là-dedans et que je fais un curl de ça, d'accord que ça passe, hein, je me mange bien, site 1, ok. Ceci étant, si jamais je change, soyons fous, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en commentaire ici le location slash. Et là, le location site 1, je vais le transformer en location slash. Et ensuite, je restart mon proxy. De toute façon, à terme, les VHost vont être. Donc, je vais refaire mon Nginx status. Parce que lui, au moins. C'est Nginx underscore status, donc ça, c'est bon. Lui, au moins, il va répondre. Il a l'air d'être long à la détente, quand même. Hein. Ok, il me répond. Si cette fois-ci, je mets rien du tout, il me dit site 1. Voilà, bon, bah, ok. Ok. Mais ce que je peux peut-être faire, c'est lui dire ici, faire un location. On va lui faire un location qu'on va appeler Youpi. Je vais même le déplacer histoire d'être tranquille. Ici.
restart. Et une fois que c'est restart, je rafraîchis, toujours pareil. Je refais à nouveau le status. Ça a l'air plus rapide là. Et si je fais slash youpi, 404 not found. Ok. Ah oui, ça c'est parce que c'est alias normalement. Non, c'est pas alias. Il est en route. C'est ça normalement. Donc là, le souci, c'est plus tant que ça. Le souci, c'est plus tant que ça, Podman ou le réseau de Podman, mais mais moi qui sais plus configurer un Nginx. Ok. C'est quand même comique cette affaire. Ah, il aime mettre des upstream, ok. Oui, ça c'est vrai que le coup des upstream c'est pas mal. Le X forward it for. Oui, ça faudra de toute façon l'ajouter. Oh, allez, on va l'ajouter. Même si je pense pas que ce soit forcément indispensable. Mais comment ça se fait que le slash youpi, ça ne marcherait pas? Location slash. Error page. Ok. Non, a priori, d'après. Si je regarde cet exemple-là, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin d'avoir ajouté un slash ici. Et puis de toute façon, le Nginx. Bon, soit. Mais au moins, la partie réseau, elle est fonctionnelle. Non, là on veut pas. Alors là, je suis. Un peu. Ok, regex. Ouais. Ouais, mais le location quelque chose, ensuite il a. Faut mettre un. Ouais, location proxy pass, ouais, ok.
là, je suis un peu... Ouais, non, c'était ça, c'était bien le location. Ok. Alors, ce qui m'embête, c'est que là, la documentation, on est sur le site d'Nginx. Hein. On est sur le site d'Nginx. Et la documentation, elle parle des... Elle parle de trucs ProxyPass face CGI. Est-ce qu'il y a des trucs du genre... Tiens, route. Voilà. Salut à toi, Mr. Slayer. Set the root directory for request, for example. Location slash i slash root slash data slash w. Donc. Ah non, mais c'est bien ça. Ok, donc par contre, il faut que je mette un slash à la fin et pas de slash à la fin ici. Ah, ou alors il faudrait utiliser un alias. Ouais, mais non, mais c'est ce que je veux faire pourtant. On va revérifier. Là, il me dit pourtant qu'il veut rajouter un slash up. Alors, le souci avec Nginx, c'est une excellente question. En gros, j'ai un location que j'ai mis comme ça, slash up. J'ai beau avoir un index.html et je me retrouve avec une 404 ici. Et si je regarde les logs, ouais, il me redit slash up slash index. Alors que ça, ce truc-là n'existe pas. Alors, est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là que j'utilise effectivement un alias Bah justement, hop. Allez. Hop. 404 quand même ? Non. C'est quoi cette blague ? 403 cette fois-ci. Ok. Directory index is forbidden. Mais oui, mais il y a un index.html normalement là-dedans. User share. Nginx, HTML, j'ai un index.html. Et il est lisible. .404.not.found. What? Nginx, HTML. Ah, oula. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça qui l'embête. Eh ben, décidément, c'est laborieux ce soir. Ah, et ben voilà. Ensuite, si j'enlève cet index, parce que de toute façon, normalement, il est... Parfait. Donc, exactement, youpi. Mais c'est bizarre, je pensais qu'avec root, ça, c'est censé passer. Ça me travaille, cette affaire. Ça me travaille. Toujours est-il que normalement j'ai mon moins mon reverse proxy. Donc ce que je vais pouvoir commencer à faire maintenant que j'ai faim. Alors, Nginx ça marche jamais du premier coup. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait. Où est-ce qu'on pourrait avancer en plus? Tiens d'ailleurs, first time shot, bien, donc bienvenue, Mr. Slayer, sur la chaîne. Je t'ai dit salut, mais je crois pas t'avoir souhaité la bienvenue.
Alors. Où est-ce que j'en suis? J'ai deux conteneurs qui communiquent, puisque l'un peut faire reverse proxy de l'autre. Je veux pas me lancer dans configurer trop le reverse proxy parce que ça va être. Ce serait dommage de trop configurer à la main, sachant que je voudrais générer la configuration via Ansible. Où est-ce que je vais pouvoir continuer pour la suite? La suite qui se fera sans doute jeudi prochain d'ailleurs. C'est vrai qu'il commence à être 10h moins le quart. Ah bah tiens, ce qu'on va peut-être commencer à regarder aussi, c'est justement. Puisque là, si je reviens sur ma VM et que j'ai. Alors. Et que ici, je fais donc nginx underscore site 1. On va dire bin bash. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans. Bah non, mais attends, mais j'ai même pas besoin en fait. Normalement, je vais ici, je vais dans. 1 log access. Ah, c'est Adrien qui t'envoie, Adrien de Linux Tricks. Ah, super. Ah, bah merci Adrien aussi alors. Donc on voit bien le 10 et on a le 10 13 37 1 qui est donc l'IP de mon de ma machine par rapport à cette VM. Ça c'est pas mal. Donc j'ai bien des logs. J'ai bien des logs. Ça c'est cool. Donc on a bien la communication entre mon comment dire le reverse proxy et la machine qui va faire frontal web. Ce que je suis en train de me dire, c'est que on pourrait peut-être, dans ce cas maintenant, peut-être configurer un deuxième site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de ménage. Ça, je vais les garder. Ça aussi. On va voir si on peut faire sauter ça, de fait. On va voir si on peut faire sauter ça. Et une fois que ça a sauté, revérifier que c'est toujours accessible. Ok. Donc, si je reviens maintenant sur mon navigateur, lui, il est censé toujours fonctionner. Ouais. Heureusement que je vérifie, hein. J'ai bien retiré le bon, hein. Ouais, c'est bien le conteneur du site 1. Ok, il a rechargé, mais il a réussi. Si je fais un slash youpi, normalement, on est bon. Et donc là, sur ce port 8081, maintenant, je dois me manger une erreur. Voilà, connexion échouée. Ok, cool. Donc maintenant, je n'ai plus que le port 8080 d'exposé. Ce que je peux peut-être même faire. Alors, Mister Slayer, faut que je me remette à Docker. À part une formation il y a plusieurs années, j'ai pas pratiqué. Eh bien, ici, c'est plutôt du Podman, mais normalement, c'est peu. Enfin, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est malgré tout assez semblable.
Et ben en fait, Podman, c'est, je veux pas dire que c'est une réimplémentation de Docker, mais en gros, c'est un moteur de conteneurs. C'est un moteur de conteneurs. Hop. Qui est sans démon, contrairement à Docker. Mais il permet de faire tourner des conteneurs de type OCI, donc les mêmes conteneurs que Docker. Et d'ailleurs, je fais tourner des conteneurs Docker. Hein. Et on peut les faire tourner en tant que root ou en tant qu'utilisateur. Et pour la faire simple, tu fais alias Docker égale Podman. Et normalement, je veux pas dire que tu n'y vois que du feu. Mais c'est leur objectif, je pense. À quelques détails près. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire un petit peu plus gros. Ok. Donc, alors on va quand même se faire un petit peu de conf Nginx, je pense, avant de s'arrêter. Là, j'ai quoi? J'ai ce qu'il faut. Donc, je vais vouloir, vu que de toute façon mes conteneurs tournent en mode privilégié, je vais mettre 80 et on va voir si ça passe. Comme ça me permettra d'être, on va dire, un peu plus à la cible de l'objectif de fin. Je suis où là? Ah oui, ok. Alors, ben non, il faut que je relance mon, voilà, faut que je relance mon playbook. Je sais plus où j'en suis, dis donc. Allez, on y croit. On avance tranquillement. Voilà. Alors par contre, il m'a pas fait un démarrage. Donc en théorie, ça devrait être mort. Voilà, connexion échouée. Donc si j'enlève maintenant le 2.8080, je devrais avoir site 1. Allez, 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 allez. J'ai l'impression que la première connexion, elle est toujours laborieuse, hein. C'est bizarre cette affaire. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, ça marche. Slash youpi. Ah, 404, oui, parce que j'ai pas fait youpi slash. Youpi slash, ça fonctionne. Remarque, si je reviens sur la VM. Reverse proxy, pas docroot, mais conf.d default, et que je fais un slash youpi comme ça. Je restart le reverse proxy. Là, c'est ça le premier démarrage. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être que j'attends pas que le conteneur. Enfin, c'est peut-être le temps de démarrage du conteneur. Encore que ça devrait être assez rapide normalement un conteneur. Allez! Voilà, il le fait, mais il prend son temps. Et si je remets la page. Ok, ça c'est mieux. Ok, donc la première requête a l'air d'être toujours laborieuse. Oui, Nginx est rapide à démarrer en plus. Slash Nginx d'ailleurs status. Ok, je l'ai. Tout va bien. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Et donc pour l'exercice, ce que je vais vouloir faire, c'est globalement, on va faire ça. Alors je sais que c'est moche, mais hop, et on va faire site 2, juste pour le principe. Site 2. Donc son IP, bah, elle sera 2. Hop. Ici, ce sera site 2 aussi. Tac, 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 tac. Et on va dire site 2 ici aussi. Alors, est-ce que j'ai créé? Est-ce que j'avais créé? Oui, j'avais créé site 2. Ok. Parce que vous savez, les sites par deux, ils vont, hein. Jamais plus, jamais moins. Le maître et l'apprenti. Main.yaml. Hop. Voilà.
Voilà. Est-ce que j'ai des... Ok. VARS. Un rôle VPS VARS main.yaml. Là, ok. Ok. Donc, je devrais avoir un troisième conteneur qui démarre. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dans ma conf reverse proxy, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire un env du default.conf en site1.conf. On va faire ensuite un cp-vp du site1.conf en site2.conf. On va l'appeler catchall.conf. Et là, au niveau du catchall, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter la vie. On va dire, on va laisser ça comme ça, serveur name machin. Ça, je m'en fiche. Hop. Ça, on s'en fiche. Et ce sera ici location slash. Et on va laisser le status et on va enlever ce truc là ici. Voilà. Ok, donc on sera globalement... On va le mettre en bas. Hop. Donc là déjà on a ça. Ensuite... Alors pour l'instant les histoires d'access log, bon je... On verra ça une autre fois. C'est juste pour avoir une des confs, on va dire, à peu près... Voilà. Donc ça, le slash up, je vais l'enlever. Le status, de toute façon, on l'a ailleurs. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, je sais que j'avais déjà fait le site 2, mais... Voilà. Et ici, ça va être... Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre ici site2.example.com et on va même lui dire site2, hop. Ah, t'allais le dire. Ah bah, tu vois, les grands esprits se rencontrent. site1.example.com. Voilà. Donc, maintenant, on va revenir ici. On va lancer ce truc-là. Et moi, pendant ce temps, je vais m'ouvrir un autre truc. etc host. Et donc, la machine étant 10.13.37.149. Et on a dit que c'était site1.example.com. Alors, je vais regarder l'erreur juste après et puis ce sera sans doute les derniers trucs qu'on fera ce soir puisqu'il est presque l'heure et j'aime pas dépasser le jeudi soir. Ok. Hop. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il peut pas lancer le conteneur site 2 parce que SRV conteneur no such file. Oh bah, si c'est que ça. Si c'est que ça, on va le... On va le résoudre vite fait. On a quoi? On va faire pareil. Alors, j'aime pas faire du copier-coller méchant, là, comme ça. Mais dans l'immédiat, ça a un mérite. C'est ensuite d'être fonctionnel. On essaiera de faire des boucles ensuite et puis d'avoir des noms de conteneurs un petit peu plus... un petit peu plus...
un petit peu plus cohérent, un petit peu plus représentatif de ce qu'on veut faire à la fin. Ça, ça a l'air d'être plutôt bon signe là, hein? J'ai comme l'impression qu'il y a de quoi être optimiste. Voilà. Alors pour le principe. Ah non, remarque, il va me respawn les conteneurs. Si je fais ça. Puisque j'ai dit recreate. Ah non, il me les respawn pas, on dirait. Si, voilà, il me les respawn. Ok. Donc là, normalement, voilà. Bien. Donc maintenant, si je retourne ici, que je fais juste l'IP comme ça, je suis censé avoir un youpi. Je suis censé avoir un youpi. Parce que pour rappel, pendant que ça charge, j'ai mon catch all qui dit location dans l'index.html. Si je remonte un petit peu, cat doc root index youpi. Voilà, j'ai mon youpi. Donc maintenant ensuite, si je fais http //site1. Voilà, alors on ne le voit pas beaucoup, mais voilà, il y a écrit site 1. Et si je fais /site2, ah, forbidden. Forbidden. Ah bah oui, forbidden, normal. Normal. Pourquoi normal? Tout simplement parce que mon répertoire site 2, dans le doc root, il y a rien du tout. Donc, on va faire ça vite fait. Site 1, doc root. index.html, site 2, docroot. Allez. Et ça, ce sera la dernière action pour ce soir. Là, maintenant, si je recommence, je devrais avoir site 2. Mais par contre, c'est vrai que ça lague un peu. À force que j'investigue cette histoire, hein. Bon, alors, je suis pas forcément ultra content de la manière dont j'organise le truc. Je pensais qu'il y aurait des trucs un petit peu plus, comment dire, genre... j'ai l'impression qu'il y a des trucs du genre de la résolution DNS hein, plus ou moins automagique. J'aimerais bien mettre ça en place plutôt que d'avoir un subnet déclaré. Même si c'est toujours, pas mal, enfin, c'est toujours sympa de pouvoir le faire. Oui, c'est clair que c'est long, on est d'accord, Douder. D'ailleurs, bienvenue à toi. Bienvenue. C'est dingue, ça. Favicon, Favicon. Bon, voilà, 403. Les 404 des Favicon. Voilà, site 2. Il a fini par arriver. Mister Slayer, c'est peut-être ça, effectivement. Peut-être une résolution DNS ou un truc. Mais si je refais un petit cat sur mon access log, on peut voir que donc le reverse proxy et l'IP de la machine parce qu'on a mis ce qu'il fallait. Il n'y a pas de souci si t'es pas là au début. Il n'y a pas de souci. T'as loupé quelques galères, on va dire. Très bien. Bon, ben on a un truc fonctionnel pour terminer ce stream, et il n'est pas 22h30, donc ça c'est cool. Perso, tu ajoutes des infos en plus dans le log Nginx pour connaître le temps reverse. Alors, en fait, pour l'instant, ce qui m'importe, Mr. Slayer, en fait, c'est la configuration, hop, si je reviens ici, ça va être la configuration de tout ce qui est conteneur via Ansible. C'est vraiment ça, pour l'instant, la priorité. Et je pense que pour la semaine prochaine, on va peut-être commencer à rajouter des choses. On va peut-être essayer de mettre des vraies applications, par exemple,
ou peut-être faire un peu de configuration Nginx. Je ne sais pas encore trop maintenant dans quel sens aller, mais j'ai un premier, on va dire que j'ai un premier proof of concept qui fonctionne. Peut-être qu'on va vouloir faire des choses un peu plus propres, parce qu'au lieu d'avoir un create site 1 et un create site 2, on va peut-être pouvoir faire des boucles. On va peut-être pouvoir faire des boucles, genre bah, comme là on a un loop par exemple. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Très bien. Bon. Mais toujours est-il que pour répondre à ton commentaire, Mr. Slayer, à un moment, oui, il y aura une vraie conf Nginx. Et cette conf Nginx sera normalement générée via Ansible et on l'espère sera un peu plus propre. Là, on est juste en mode, déjà, on essaye de débroussailler au moins la partie conteneur. Ce qui, visiblement, n'est pas une mince affaire. Voili, voilou. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça. Je voudrais vous remercier. Alors, je sais que je l'avais fait en début de live, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et la chaîne YouTube associée. Donc encore une fois, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous passez un bon moment à suivre mes aventures, mes pérégrinations, et que vous reviendrez la prochaine fois. D'ailleurs, en parlant des prochaines fois, donc habituellement, je stream les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h. Les jeudis, c'est cette thématique-là, donc Ansible et conteneur. Et le dimanche, en ce moment, on fait de la réinstallation à distance de machines physiques. J'ai une petite machine là, pas très loin, que vous ne voyez pas. Et elle a un système Linux déjà préinstallé et on essaye, sans accéder à un truc local, sans avoir une carte d'administration à distance, on essaye depuis le Linux existant de relancer un installeur de distribution Linux. Alors, je vous cache pas que c'est essentiellement de la Fedora, mais on peut faire d'autres choses. Si jamais vous voulez voir des anciennes vidéos, donc comme je vous disais, il y a la chaîne YouTube qui est associée à cette chaîne Twitch, donc je vais vous envoyer le lien ici. Si jamais vous voulez qu'on discute en dehors des lives, vous avez le lien vers la chaîne Discord qui est là et où j'annonce aussi d'ailleurs les débuts des lives. Vous pouvez aussi discuter avec moi sur les autres réseaux sociaux. Je pense à ces deux-là qui sont ici sous la caméra. Mais vous pouvez retrouver en fait toute ma présence sur les réseaux sociaux, tout simplement sur ma page personnelle qui est anotherhomepage.org. Et vous allez retrouver notamment Twitter, Instagram, Mastodon, LinkedIn, ce genre de choses-là. Voili, voilou. Je vous propose, pour finir la soirée, qu'on aille raider quelqu'un. Et comme ça fait quelques temps, je crois... Ah si, on l'avait raidé il n'y a pas si longtemps que ça, Virtual Labs. Mais je pense qu'on va retourner le voir. On va retourner voir Virtual Labs. Alors, vu qu'il y a des nouveaux par ici, je vous explique. Je vais mettre la fin de... l'écran de fin de stream. Mais malgré tout, restez là pour le raid. Vous allez voir, en plus, Virtual Labs, c'est quelqu'un d'assez sympathique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et de vous dire à la prochaine. Ciao, ciao !